Salut, salut, chers combattants, c'est le baleine de Yingyi. Alors, ce matin, j'aimerais parler de Facebook. Ce matin, j'aimerais parler de Facebook. Pendant 5 minutes, on va parler de Facebook. Alors, ce matin, justement, la nouvelle est tombée selon laquelle le forum, le Cameroun, c'est le Cameroun de Mathieu Yumbi, a été shutdown. Ça veut dire qu'il a été complètement désactivé. Alors, rayé de Facebook. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en réalité, c'est que depuis 2017, un lanceur d'alerte au nom de Paul Jouta avait pourtant lancé l'alerte sur Facebook. Et ce qui se passe aujourd'hui est juste la conséquence de ce qui s'était passé en 2017, c'est-à-dire la visite. Je crois que c'était en fin 2017, en l'an 2018 là. La visite, n'est-ce pas, d'une équipe de Facebook au Cameroun. Et durant cette visite, Paul Chouta avait lancé cette alerte en disant, faites attention. Le régime BIA est en train d'acheter Facebook. Et bientôt, cette plateforme va se retourner contre les Camerounais. Et c'est exactement ce qui se passe depuis lors. Les comptes sont suspendus pour des raisons bizarres, banales. Les pages des activistes les plus populaires et même Zumento, je vous le dis. Dernièrement, il y a une autochtone qui a été nommée, n'est-ce pas, pour faire ce sale boulot de Facebook. Et le compte de Zumento a été directement suspendu ou alors désactivé. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Facebook fait là ce qu'on appelle comment on appelait ça? Il y avait un Français là qui faisait souvent les coups d'État en Afrique, qui aidait à faire des coups d'État en Afrique. En fait, c'est un sale boulot de Facebook qu'ils n'admettent pas en public. Dans le monde occidental, par exemple, ils ne l'admettent pas. Cela n'est pas en harmonie avec la vision ou avec l'image que Facebook voudrait bien projeter dans la société. Donc, Facebook le fait en Afrique et cache. Un peu comme comment on les appelle, des espions qui viennent travailler en cachette et qui font des choses. Ce que Facebook fait est inacceptable, c'est même illégal, c'est contre l'éthique même de Facebook. Mais nous avons, d'une certaine manière, abandonner ce dossier Facebook. Nous avons d'une certaine manière oublié, n'est-ce pas, de signaler cela aux autorités de Facebook, c'est-à-dire qu'on leur dise, nous savons ce que vous faites, quoi. Non? On a oublié cela complètement. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, il y aura plusieurs actions de ce genre. La fermeture des comptes, c'est un musellement avec le consentement de Facebook. Parce que Facebook a été payé par la dictature BIA pour, n'est-ce pas, museler les activistes camerounais. Pour mettre les activistes camerounais hors d'état de nuire. Oui. C'est de cela qu'il est question. Donc, chers activistes, nous devons essayer de trouver une riposte,
une réponse adéquate à ce combat, à cette guerre ouverte déclarée par Facebook aux activistes africains, mais surtout aux activistes camerounais en particulier. Nous devons donner une réponse appropriée à cette démarche frauduleuse, cette démarche scandaleuse, cette démarche perverse, cette démarche terroriste, cette démarche complice, cette démarche criminelle de Facebook. Parce que les médias occidentaux ne savent pas que c'est ce que Facebook fait. Par exemple, les médias occidentaux comme CNN, comme BBC, nous devons essayer d'attaquer Facebook, taguer Mark Zuckerberg et lui poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il combat les activistes camerounais, ceux qui combattent pour la liberté, pour la justice et pour la démocratie en Afrique. D'exposer, n'est-ce pas, ce mensonge, d'exposer ce comportement de Facebook. Nous devons le faire. Moi, je l'ai souvent dit, il y a plus d'un an que je ne cesse de crier que Facebook, c'est un ennemi au même titre que le régime Biya. Parce que c'est pied gauche, pied droit. Et aujourd'hui, du moins, la suspension du forum, le Cameroun, c'est le Cameroun, est juste la partie visible pour les aveugles, pour ceux qui étaient encore aveugles. Mais depuis, nous avons vu les comptes de Paul Chouta suspendus, nous avons vu les comptes de Zumento suspendus, les comptes de Boris Berthaud suspendus. Plusieurs combattants ont, n'est-ce pas, expérimenté cette stratégie du régime Biya qui a corrompu Facebook au point d'avoir Facebook comme allié maintenant. Donc Facebook est devenu un allié de la dictature. Facebook est devenu un allié, n'est-ce pas, de l'injustice. Facebook est devenu un allié du musellement, n'est-ce pas, de la liberté d'expression. Et nous devons nous mobiliser pour donner une réponse appropriée à Facebook. Nous devons exposer Facebook pour ce qu'ils font réellement, surtout en Afrique, et dire au monde ce qui se passe en Afrique et dont Facebook est complice. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. C'était le banane de Yingui. Bonne journée à vous. Je salue Justin Anderson, Alain Atangana, Karine Bibian Richaud, bonjour, et Joël Alima. Salut, salut à tous. C'était le banane de Yingui là pour mon coup de gueule contre Facebook ce matin. Bonne journée à vous et à bientôt.